Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Diandra Tchatchouang, ailière de l'équipe féminine de basketball et de l'équipe de France. Bonjour Diandra, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour Chloé, je m'appelle Diandra Tchatchouang, comme tu l'as dit. Je joue pour le club de Montpellier et pour l'équipe de France aussi. J'ai évolué au poste d'ailière et j'ai 28 ans. Je suis originaire de la région parisienne à la base, de la Courneuve plus précisément. Voilà. Peux-tu nous raconter un peu ton parcours scolaire et sportif? Mon parcours scolaire jusqu'à la classe de 6e, il était à peu près normal, dans le sens où j'étais scolarisée à la Courneuve, donc je vivais chez mes parents. Et puis en classe de 5e, j'ai intégré le pôle espoir. Donc c'est un sport-études qui regroupe les meilleurs potentiels, les 12 meilleurs potentiels d'Île-de-France. Donc à partir de là, j'ai quitté la maison et je suis partie en 5e, de la 5e à la 4e, dans le 95, à Hermont-Aubonne. À l'âge de 14 ans, j'ai intégré l'INSEP. Donc l'Institut National des Sports, où là ça regroupe maintenant les meilleurs potentiels sur tout le territoire français. Où pareil, j'ai passé 3 ans à l'INSEP, j'ai passé mon bac là-bas. Donc jusque là, voilà. Et après mon bac, j'ai été aux États-Unis pendant 2 ans pour l'université de Maryland. Où, comme je disais, ouais, j'ai passé 2 ans et j'ai suivi des études là-bas aussi avant de rentrer en France et de passer professionnel. Ça n'a pas été compliqué pour toi de justement quitter ton pays d'origine pour les States? Alors j'étais sûre de vouloir le faire, donc j'ai pas de regrets. Par contre effectivement c'était dur d'un plan de vue famille, amis, il y a un manque, j'avais que 18 ans, donc c'était pas facile d'être loin de mes proches, mais bon finalement ça a été une expérience humaine vraiment riche. Durant ton enfance, est-ce que tu idolâtrais une figure féminine? Alors si j'en citais une, je dirais ma mère, parce qu'avec ma grande sœur qui a 4 ans de plus que moi, ben voilà, on était des petites filles et forcément de voir ma mère travailler, aller au travail, se battre pour nous et tout ça, ça nous a forcément appris que quelle que soit la situation dans la vie, il fallait toujours se battre et ne rien lâcher. Et puis après, en grandissant, en allant aux États-Unis notamment, une figure féminine qui pour moi a marqué l'histoire, qui continue de la marquer et qui m'inspire beaucoup, c'est Angela Davis. Peux-tu nous dire aussi ce qui t'a donné envie justement de faire une carrière pro et pas juste continuer en loisir? Alors c'est vrai que le basket c'est très rapidement devenu une passion. Donc au départ c'était pour rejoindre les copines comme ça, et puis vraiment après c'est quelque chose dont je pouvais plus me passer, c'est un petit peu ma drogue. Quand j'ai su, comme je disais, j'ai été très bien entourée depuis petite dans le basket, donc quand ma première coach m'a parlé un petit peu du cheminement pour atteindre le haut niveau, atteindre le monde professionnel, je me suis fixé des objectifs et palier par palier, j'ai réussi à les atteindre et au départ non, c'était pas pour devenir pro, mais très rapidement, je suis assez compétitrice dans l'âme, donc très rapidement quand j'ai su que ça existait du basket professionnel, puisqu'on a pu avoir la NBA seulement quand on est petit, mais quand j'ai su que c'était possible, et ben, j'ai mis tous les moyens en œuvre pour que ça arrive. Je me dis toujours que c'est peut-être l'esprit collectif du basket qui m'a fait aimer ce sport, les valeurs que ce sport m'a inculquées, qui sont la solidarité avant tout, l'abnégation. Vraiment, je pense que c'est ces valeurs-là qui m'ont fait aimer ce sport au-delà juste de la balle orange, vraiment les valeurs qu'il y a derrière ça. Durant ta carrière, as-tu remarqué justement une évolution de la femme dans le monde sportif? Une évolution, oui. Aujourd'hui, on voit peut-être que c'est un peu plus médiatisé, même si c'est pas suffisant, je trouve. Mais il y a une évolution. Je pense que ce qui a permis ces évolutions, je pense à la médaille d'argent en JO de Londres de l'équipe de France de basket, à la belle épopée de l'équipe de handball féminin, même sur les sports individuels où il y a eu de très belles perfs. Je pense que ce qui
aujourd'hui on parle du sport dans sa globalité, en parlant des hommes et en oubliant les femmes des fois. Les femmes, en fait, pour qu'on parle de nous, il faut qu'on se batte à avoir des résultats, alors que les hommes, avec ou sans résultat, on parlera du sport comme un monde masculin. Donc je pense que c'est vraiment important que journalistes, télé, enfin tous les médias tels qu'ils soient, aient une prise de conscience, parce qu'il y a une évolution, mais elle n'est pas assez importante pour moi encore. Aurais-tu quelques conseils à donner aux petites filles, justement, qui souhaitent avoir une carrière un peu comme la tienne? Moi, quand j'étais très jeune et que je venais de commencer le basket, à la maison en tout cas, le basket n'allait pas sans l'école. Donc si j'ai un conseil à donner aux petites filles, c'est vraiment... allez au basket avec vos copines, amusez-vous, prenez du plaisir. Mais ce qui doit rester en ligne de mire avant tout, c'est des études. Si elles travaillent et qu'elles mettent tout pour y arriver, tous les ingrédients feront que peut-être elles deviendront professionnelles. Mais à leur âge, c'est pas l'objectif prioritaire, mais il faut travailler. Après ta carrière professionnelle, justement, qu'envisages-tu ? J'aimerais bien faire du journalisme. Je sais pas encore quand. Pour l'instant, j'ai encore quelques belles années devant moi sur le terrain de basket, mais ouais, j'aimerais bien faire du journalisme, pas sportif particulièrement, vraiment, je m'intéresse un peu à tout, donc vraiment global, et puis voilà, le moment venu, il sera temps d'explorer ce monde-là aussi.